Yo tout le monde! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en coop avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon moyen, ouais. Le seul truc qu'il faudra bien jouer, c'est la flotte. Ouais, j'ai que deux navires, mais... Ah, j'ai que trois unités de pitié. Je suis en train de voir. Après, ils ont des unités à distance. Ces petites flottes-là, les petits pillards, je crois que c'est 80. Ils en ont 80, peut-être, pas plus. Franchement, je dirais, tu mets tes lanciers orientaux. Tu prends de la cavalerie. Et comme ils débarquent pas à 50, je pense que ça suffira. Hein. De toute façon, la cavalerie, tu pourras pas la faire sortir autre part. Et limite au... Au niveau du port, c'est peut-être là où t'as le plus de place de te... De faire bien bouger la cavalerie. Faut voir la carte. Le Nicomédia doit être bien développé. Ouais, bah c'est comme la ville là que j'ai attaqué tout à l'heure. C'était comme Brindisium. Ouais, je vois. Enfin, à peu près, je suppose qu'il y a des petites différences, mais... Je pense qu'ils vont attaquer au nord. En général, c'est ce qu'ils font sur cette carte. Il y a peut-être moyen de couler un max de navires. Franchement, avec tes navires de garnison, tu les mets en abordage. Là, tu coules facile, je dirais. Oh, surtout qu'ils sont split. Oh. Je pense que facile à couler ça. Pardon. Ceux-là, ils sont faciles à couler. Les deux navires qui sont là. Ouais. Problème, c'est que c'est des unités à distance. C'est le seul truc qui va être chiant, c'est qu'il va te faire un peu mal aussi. Et rapido, après tu pars ici quoi. Ouais, mais ils vont avoir le train de débarquer au sol, je pense. C'est pas mieux. Ils sont plus lents. C'est considéré comme une faction barbare, donc les navires sont beaucoup plus lents. Ils sont plus costauds, ouais. Mais plus lents. Mais ils sont quand même très proches quoi. Ouais. Ouais, bah ce que tu peux faire, alors sinon c'est focus les unités à distance, là, les deux unités à distance sur les bords. Comme ça, ils te font plus mal et toi tu déglingues ces navires après. Ils ont pas d'armes de G, eux. Moyennant les armes de G. Ça c'est toujours le... Je sais pas du tout d'où est-ce qu'ils vont arriver, les mecs. Ils arrivent tous en mer. Ils non. Ils arrivent aussi par terre. Ces unités montées arriveront par terre de base et ces unités terrestres étaient sur la terre, donc je pense qu'ils vont arriver de la terre, mais vu que c'est pas eux qui lancent le combat, ils peuvent venir soit de là soit de là. Franchement, ce serait vraiment bien pour toi s'ils arrivaient de là. Parce que là, t'as 4 tours qui peuvent faire des dégâts. Ah oui, c'est vrai. Sinon, ils peuvent toujours venir par là. C'est rare qu'ils viennent par là, mais ça est déjà arrivé une ou deux fois. Je sais pas d'où est-ce qu'ils vont arriver. Je me dis, tiens, je vais laisser mes unités comme telles et je vais m'arranger en fonction. Là, t'es bien centré, ouais. Bah, mais quand même... À la rigueur, je te donne les unités rapidement. Et place-les en fonction d'où est-ce qu'ils arrivent. En attendant, je verrai la flotte de garnison. Ça sera mieux comme ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah de toute façon, principalement les piquiers. Hop, tiens, on va mettre ça centré là. Comme ça, on est équidistant. J'essaie de les mettre équidistant. Je sais pas d'où est-ce qu'ils vont arriver. Là, ils sont pas encore apparus. Surtout les piquiers, ça c'est... Ok, ils sont là-bas. Je te déplace. Ah, ils arrivent de là. Du coup, t'as de la flotte en fait. Ouais. Ah, t'as 3 piquets pour défendre. Ah, oh, c'est bon, c'est gagné. GG. Hop, je te place tes frondeurs aussi sur les murs. Hop, hop. Je te déplace ça là. Les montagnards, on pourrait les mettre à la place là. Devant, ils ont des unités de projectiles. La cavalerie, je te la laisse devant un autre mur si jamais tu veux la faire sortir près du port. La populace, je te la mets au port, on sait jamais. Ok.
Ça les J'ai retardera pas un les tout meilleurs petit navires pour éperonner. Ah, faut pas d'éperonnage, faut mettre en... L'autre, en bélier. Ah mince, t'as Bélier. éperonné. Aïe, ah pas de bol. Est-ce que j'ai bougé tout? Tout est en train de bouger. Tu me dis quand je te rendrai tes unités. Je vais juste placer les piquets après, avant. Ça marche. De toute façon, mon deuxième navire, à mon avis, il va pas faire long feu. Hein. Ouais. La moitié est en train de cramer. Ah, super, j'ai réussi à buter une unité quand même. On sait déjà ça. T'as une unité qui arrive au port. C'est un pierre lance-projectile. Ils vont se faire intercepter par la cavalerie, donc c'est pas très grave. Les piquets, les piquets, les piquets, les piquets. Oui, ça je voulais mettre ça comme ça. Un peu les frondeurs, vous arrivez là. Hop. Je pense qu'ils vont attaquer les portes et ils vont rentrer dedans bêtement. On va voir ouais, si c'est ce qui si c'est leur, leurs objectifs. Ah, c'est vrai qu'ils sont obligés de passer par les portes. Ils passeront pas. Hein. Regarde, hein, tu mets tes piquets devant et ils passeront jamais. Hein. Le plus chaud, ce sera la l'accès par la mer. Je t'ai envoyé deux populaces, deux lanciers et deux cavaleries sur les côtes, Ah, sur la bien plage. joué. Donc ça bougera pas. Pourquoi la populace elle a pas bougé? La populace elle a fui. Ah non, elle est encore au niveau de la place, hein, elle a pas bougé. Bah ouais, elle a pas voulu, elle a pas voulu bouger. Ah, ok. Comme ça, ouais, dès que tu reprendras, là, t'auras la cavalerie pour flank sur le côté. Bah, de toute façon, les mecs, ils vont envoyer leurs unités par un navire au coup de goutte, ça devrait aller. Ouais, si c'est comme tout à l'heure. Puis t'as les tours à flèches qui le font quelques dégâts, mine de rien, ça c'est vraiment bien. Par contre, là, les lanciers, c'est quand vous voulez. Voilà. Est-ce qu'ils vont être fatigués parce que. Ouais, ils sont à bout de souffle, hein, par contre, ils ont dû courir, ça c'est le Ah, ils côté chiant. arrivent. Oh, ils sont pas contents. Ça y est, ah, vas-y, attends, je vais te rendre. Tac. Tac. Je sais pas si pendant le. Attends, j'attends qu'ils soient arrivés. Là, la cavalerie, elle est arrivée, je te la rends. Parce que sinon, j'ai peur que ça annule le Annule le déplacement. déplacement, tu crois? Je sais pas. Je t'avoue que je. Autant pas tester. T'as raison. Hop. Ils font un demi-tour. Ah ouais? Dans le port? Ouais. Ils sont motivés, ils sont plus motivés, les gars. Ah, je peux comprendre, ils sont tout seuls. Oui. Hop, les piquets, ils sont bientôt arrivés. Hop, la populace. Elle est arrivée. Après, s'ils font l'erreur de passer que par la porte, il y a grave moyen de gagner, hein. Ah oui, bah là, à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont foutre le feu à la porte. Puis ils vont dire, ah bah merde, on se fait Bah bouffer, mince alors, ça marche pas, la quoi. stratégie. Surtout Comment ça que se fait? là, t'as des frondeurs qui sont en train d'arriver. Ouais. C'est bon, ils sont tous arrivés. Hop, les frondeurs, c'est bon. Les montagnards, c'est bon. Les lanciers, c'est bon. Et les piquets, c'est bon. Ok, parfait. Je crois qu'on peut pas mieux défendre. Ils ont pas surtout de d'échelle. Ouais, c'est ça le truc. Ah ça m'est bien. Ils sont 80 par navire. Ah c'est bon. Il me semblait que sur Rome 2, quand tu as attaqué, tu avais des échelles par défaut. Alors en fait, t'en Tu as par avais genre 2. défaut, sauf quand l'unité principale, c'est une flotte, quand tu fais Ah ouais, des d'accord. groupés. Bah tant mieux au final. Ouais. Ouais, par contre, ta porte, elle va cramer très Ah très mince, vite. d'accord. Je vois, elle a pris 25, 24% là déjà. Je suis pas sûr, mais je crois que j'ai la technologie là pour balancer du feu grégeois, enfin, de l'huile bouillante plutôt, T'as l'huile, au ouais. niveau des portes. Et tant qu'ils auront pas pris le point en étant neutre, tu leur balanceras de l'huile sur la tronche. Ouais, c'est ça. Ça fait très mal. Ouais. Ah oui. Ok, oui. Ça fait des trous. Ça fait. Comme les artilleries, c'est quand Ah oui, ils t'as balancent mis ça. les montagnards avec leurs hachettes sur les murs, bien joué.
Ouais, bah je me dis, tant qu'à balancer des projectiles, autant qu'ils fassent mal dès le début. Surtout que, bah, avec les piquets là, tes piquets là qui les attendent devant les portes, ils passeront pas les portes. Autant qu'ils balancent leurs projectiles et qu'ils restent après à C'est regarder. pas Hein. le Warrior, c'est Clary Tribo. Ah mais non, mais c'est pas la Eldari Fidèle, ça. Je les ai confondus avec d'autres. Guerrier tribo, ah ouais c'est ça, mais ils sont quand même bons au niveau. Hein. Rang Ils ont 5. beaucoup d'XP. Crois que Là. les deux unités navales qui sont là attendent les renforts. Ouais c'est possible. Est-ce qu'elles sont à portée de la tour à flèche? Non, ah dommage. Par contre ça c'est chiant qu'ils attendent les renforts, c'est-à-dire qu'ils risquent de débarquer à plus nombreux d'un coup. Et ça c'est pas la bonne nouvelle. Ouais, ils vont passer au niveau de la plage. Ouais, c'est pas une bonne idée. Remarque, je vais essayer de placer mes lanciers d'une certaine façon pour que l'ennemi se pack au niveau de la plage. Comme ça, les cavaliers ils ont qu'à Ouais. attaquer dans le dos. Bien vu, bien vu, bien vu. La porte, elle a du mal à prendre feu, hein. Bah, c'est résistant, l'air de rien. Je crois. Je crois que t'as qu'une unité de frondeur là qui. Ils sont quatre et ils essaient de foutre le feu à la porte, mais ils n'y arrivent pas. Sont quand même résistantes les portes. Ah, font de la belle fumée. Ouais, regarde, il bouge plus. En fait, il balance plus de projectiles enflammés. Je crois qu'ils ont Ah un peu d'accord, bugué. ils sont buggés. Ouais. Bénef. Ouais, totalement. Ils sont en train de mourir en attendant. Je crois que c'est les montagnards aussi. Heureusement qu'ils sont pas sensibles à la fumée, hein, parce que. C'est clair. Comment ça crame, les pauvres Hop, t'as un navire qui rentre dans le port, c'est quoi? C'est. Lance-projectile. Ah ouais, il envoie Ouais, je tous ses vois ça. lance-projectiles. Faudra que tu fasses gaffe Les... aussi qu'il balance pas ses projectiles en restant à distance. Ouais, cavalerie, ouais. Exact. Je crois que la tour n'est pas à portée de tir sur les navires. Non, pas encore. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là, les guerriers tribaux Bah, ils ont l'air bien buggés. là? Ouais. Ah là, je vois deux frondeurs qui se battent encore en duel là. Il est tout seul le mec sur 120. Il est encore là. Hein. Ouais, 6 sur 120. Moralement parlant, il est bon. Hein. Bah c'est bon. Ouais, bah, ça y est, le dernier il a fui. Et ils veulent pas mettre le feu. Hein. C'est dommage, ça leur ferait Bah plein de pertes. écoute, ils prennent leur temps. Ah, c'est clair. Je vais reculer les Ah, attention, ça lanciers. arrive, ouais. Ouais. Tu peux même envoyer les Ils vont montagnards, hein, revenir. je pense. Hein. Si vraiment, au cas où, tu peux prendre des montagnards, y'a Ouais, pas de j'y avais soucis. pensé. Je pense que ça peut être une bonne idée. De toute façon, les piquets devraient tenir le coup. Ok, oui. Bah maintenant que les montagnards ils ont plus leurs munitions, en vrai, ils servent plus à rien. J'envoie la populace pour se prendre les munitions. Ouais, c'est pas bête. C'est un peu leur seul point fort, on va dire. Des Eh. reprises de chair à canon. Ouais, force-les à débarquer et ensuite. Surtout que là, les tours à flèches, elles commencent à tirer. Bon, elles font pas mal par contre. J'ai l'impression qu'elle tire sur le navire, mais. Ah, je peux pas déplacer mes unités comme je veux, c'est chiant. Ah, n'hésite pas à envoyer la population au contact, comme ça limitera l'impact des lance-projectiles. Ah, je vais la rapprocher, eux. Je pense que les lanciers devraient se débrouiller contre les tirailleurs. Qui sont à pied. Ça devrait. C'est vrai que les tirailleurs, heureusement, ils sont moins Parce que nombreux. Parce ouais. que... Il y a encore leurs collègues derrière là, qui sont en train de tirer sur mes hommes. Parce que c'est vrai que les lanciers, c'est pas terrible ça comme.
Community. En train de massacrer ma populace. Ouais, tant que c'est ta... Mais ta populace, elle est motivée, hein. Ils ont perdu la moitié de leurs hommes, elle est encore là. Moi, hein. Ouais, je dis chapeau, hein. Attends, c'est la capitale provinciale, c'est pour ça. Ah, quand même. Enfin, ça va, les skirmishers au sol, ils se sont fait un peu détruire. Hein. Ah, ça, il y en a une là qui... Hop. Puis dès qu'ils fuiront, tu peux reculer tes troupes comme ça les forcera à débarquer. Ah, il y a du monde là qui arrive encore derrière. Ouais, t'as bien fait de ramener les montagnards. Ils arrivent au pas là, tranquillement, pas qu'ils soient fatigués. Et ils sont encore buggés. Ils font tout le tour. What? Oh, comment ils perdent du temps de fou à faire ça là? Qui fait le tour? Tout ça? Cette unité de montagnard, regarde le trajet. Ah oui, pourquoi? Je sais Mais pas. non, il. Ah, je sais pas. Bon, je C'est suppose que c'est le plus bizarre. court pour eux, mais. Étrange. Ouais. Oh, les guerriers tribaux, ils sont en train de tomber tranquillou aussi. Ouais, là, ça va débarquer. Ah oui, ils ont été bien décimés quand même, hein. Oui. Voilà, ça débarque en masse, hein, sur la côte. Ouais, là, j'ai envoyé ma cavalerie par contre. Attends qu'elles soient bien toutes débarquées, parce qu'après, la charge se fait très mal. Et tu peux envoyer au corps à corps tes lanciers, tes populaires, je pense, mais c'est vrai que la cavalerie. Regarde là, les pillards là. Pardon. Les pillards tirailleurs là qui veulent pas avancer, ils sont à 2 mètres de la côte, tu vois. Ils disent non, on débarquera pas. Ils prennent leur temps. Après, ouais, regarde là, même les tours à flèches, elles font tellement mal. En vrai, si tu joues contre la montre, t'es de pépère, hein. Ouais, fais gaffe, Bah, t'as une autre. limite, j'ai envie de dire, on peut prendre les piquets et les ramener sur la plage, tellement c'est buggy. Non, risque pas, parce que il suffit d'une unité qui se réveille bien et ta porte là, elle fait pas long feu. C'est vrai. Ça joue à rien et. Ah, ils ont encore des munitions, les frondeurs, putain. Là, on va voir, mais là, il a envoyé des guerriers tribaux. On va voir si je te tiens au courant, mais voir si. Ouais, ils sont en train de Cavalerie là, refourguer elle le. fait un carnage. Les guerriers tribaux, ils sont en train de refoutre le feu à ta porte, donc heureusement que t'as les. Ah, ok. Je pense que c'était les unités qui étaient présentes qui étaient buggées. Ouais. Là, ta porte, elle est à 80% au feu. Ce sont des Je braises. crois que je vais pas avoir besoin des guerriers tribaux, des montagnards. Ah bah oui, il reste qu'une unité de... J'avoue. Ils ont pas des unités de marins très très fortes. En effet. Moi. Putain, ça y est, la porte, elle va tomber. Elle est en train de... Elle est en train de cramer pour de bon. Après, ils vont peut-être t'embêter à bah, te balancer des projectiles dessus. Ah non, ils en ont plus. Ah, Ah c'est pas si. grave, je vais les reculer un peu. Non, laisse tes piquets là où ils sont en vrai. Ah, tu parles de la porte, moi je croyais que tu parlais du navire. Ah oui, bah t'as ta Général populace. ennemi. Oh, ils arrivent. Ah, là, ça va être intéressant. Voilà, c'est marrant. Plus je les ai bien paqués sur plusieurs longueurs, une dizaine. Ah 2, ouais, là, 3. j'avoue que t'as fait un beau carré de 6, piquets, 7, là. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est impeccable comme ça. Là, ils passeront pas. Hein. Les guerriers celtiques sont en première ligne. Oh, lui, là. Oh, ouais, lui, il en a fait là une vingtaine de. Une trentaine de victimes. Hein. Ouais, même plus maintenant. Je sais pas pour moi, c'est buggé, je vois pas l'huile. Tu la vois toi? J'entends le son, mais je vois pas l'huile qui se déverse. Si, tu la vois. Alors, tu la vois mieux de l'autre côté de la porte. Ah, ok. Tu vois? Là, je la vois sur. Attends, je regarde. Ah, je la vois pas chez Je toi. t'avoue que je vois rien du tout. Ah non, je la vois pas chez toi. Sur Tu ton la vois toi? stream.
Sur mon jeu, ouais, sur ton stream, pas du tout. Ah, bizarre. Oh, et puis là, c'est... Là, c'est la fête. Hop. T'as le... Ouais, parfait. En plus, ils vont perdre un de leur, enfin, leur amiral, et je pense que là... C'est juste des frondeurs, hein, les mecs. Hein. On devrait se faire buter, facilement. Ah, t'es piqué, ils se font... Ils se font tenir en respect. Ah oui, mais c'est de l'enrôler, ouais, c'est pour ça, c'est normal. Mais après, quand même, déjà, 300 de décès, là, pour le... Alors, ça va péter à force de détruire une mythe de sang. Ça va se faire tranquille. Ah, y'a la cavalerie, comme d'hab, qui arrive en premier. Ça, c'est bien la cavalerie sur les piquets. Je pense que tu peux tester à mettre en accéléré là. Tu crois? Oh oui, tranquillou. En fait, plus ils vont creuser sur le milieu, plus ils vont essayer de partir sur les côtés. Et en partant sur les côtés, t'as encore des piques. Donc en fait, tu optimises ta. J'ai envie de dire ta surface de pique. D'accord, je vois. Du coup, ils creusent au milieu et. C'est con, c'est... Et ils prennent encore plus. Près ouais. De percer, mais regarde, hein, t'as ton unité du milieu. Le nombre de morts qu'elle a déjà fait. J'ai pas fait gaffe. Je... Ah ouais, 500. Ouais. Quand même. Ils ont eu combien de morts? Une vingtaine. 17. 17 pour 500. C'est l'attaque navale au final. Ouais. Et là, si tu veux rigoler, tu prends ta cavalerie. Tu la fais sortir par cette porte-là. Et... Ah ouais, par contre, faut faire un vrai tour. Hein. Faut être ouais. Motivé. Hein. Ouais. Il faut être motivé. Il n'y a pas une porte plus proche. Ah, elle est là. C'est sa porte-là, ouais. Je sais même pas s'ils arriveront à temps. Je pense qu'ils vont se faire fumer avant. Je pense qu'il y aura moyen, en tous les cas, de poursuivre des fuyards. Non. Ah oui, oui, si c'est au compte-gouttes. Si c'est tout d'un coup, on peut pas, c'est chiant. Parce que quand c'est l'attaque d'une cité, tu peux pas faire de la poursuite post-bataille. C'est t'as gagné, après tu fais plus rien. Ah oui, c'est vrai. C'est le seul inconvénient des batailles défensives. Dans ce... Enfin, en ville ou en cité, c'est que tu peux pas poursuivre, je crois. Oh. Heureusement que l'IA est débile hein, par moment. Bah elle a pas le choix là en même temps. Hein. Toutes ses unités en naval, si. Elle les a fait passer par le port. Et là, elle qu'est-ce qu'elle pourrait faire? J'ai le choix d'assiéger ma ville pendant un ou deux tours, le temps de faire des tours, des. Ah oui, des ça échelles. Oui. Et après, elle lance l'attaque avec la flotte. Mais elle l'a pas fait. Mais sinon, ce que tu peux faire si jamais t'as beaucoup de piquets dans les défenses de ville, tu mets unité comme ça. Ah ouais, moi sur Rome 1 Total War, je faisais une défense en rectangle avec des piquets, ça marchait super bien. Ah ouais, mais c'est trop fort. Je faisais ça à chaque fois, ils retenaient toutes les attaques. Je fais l'air de rien, ils étaient aussi cheatés sur le 1. Bah les piquets, en même temps, les piquets, dès lors que t'as plus le problème des flancs, c'est gagné. T'as rien. Ah, et ouais. Et là où normalement c'est encore plus fort en théorie, c'est que les piquets ils bloquent 80 à 90% des projectiles aussi, les piques. C'est pour ouais, ça qu'ils mettent les piques en l'air. Les piques en l'air en effet. Ouais. C'est que ça bloque les projectiles. Alors t'as peut-être le gars de devant qui lui a moins de protection. Mais tout le reste, bah c'est bloqué. Mais je crois que sur le jeu, c'est pas codé comme ça. Hein. Non, sur le jeu ça bloque pas les projectiles. Bah, ce serait tellement puissant. Ouais, ce serait un peu cheaté. Et ouais. Il y a la cavalerie là qui. Regarde où elle est. La cavalerie. Alors. Ah bah, la cavalerie là, elle est pas bien. Dès que le général il sera tombé. Non, je parlais de ma cavalerie à moi. Ah! Oh putain, oui, ils arrivent. Oula!
Hop, dans les tirailleurs là. Ah, il Ah, se ils ont retourne. capté. Ah tiens, l'IA est moins con cette fois, c'est rare. Mais là, ouais, tu les pousses et... Attaqué par l'arrière, là, le moral... Ils sont enthousiastes Ah, ça c'est apparemment. clair. Ah voilà, maintenez, maintenez, confiant. Oula, prompt, ouais, on va se replier un petit peu. Sur les tirailleurs, bah Ils ont ouais. quand même anticipé un peu le mouvement. Ça me surprend un peu pour l'IA. Mais Après, c'est tant mieux, les regarde, tirailleurs. ils se prennent les Ouais. tirs de tour à flèche, hein. Hop. C'est vrai. Les tirailleurs, ils résistent là. Ouais, ta charge, elle a été. Elle a pas été très bonne, en fait, ils sont venus au compte-gouttes, donc ça a pas fait un effet. Ça a pas fait le J'envoie meilleur des les effets. montagnards aider un peu. Dans les pics, ça risque de péter ta formation, par contre. En général, je fais pas trop ça. Le Ah, tirailleur tu qui se crois? fait courser, ouais. Le tirailleur qui se fait courser, j'adore. Ouais, les encore à corps comme ça, en fait, ça va péter un peu ta formation de pique et j'ai l'impression que ça perd en efficacité. Après, en contrepartie, s'ils ont un soutien perce armure, ça peut le faire. Ouais, aussi. T'as même envoyé ta populace. Bon, voilà, plus de problème de skirmisher. Ah non, bah là. Je sais même pas comment ils tiennent encore, les gars. Hein. Des braves celtes, c'est pour ça. Ah, t'as encore un autre général qui est derrière, en fait. T'as comment Tourios? Je l'ai pas vu. Je vais faire une ligne de charge. Faire un petit diamant. On va les stacker dans le dos. Ils tiennent bien. Hein. Ils tiennent beaucoup trop d'ailleurs. Ah voilà. Suffit de Non le mais dire. t'inquiète, l'attaque dans le dos là, ça va faire mal. Ah, ils l'ont vu venir. Hein. Le moral d'un coup, il a fait vouvoup. Ah là, c'est terrible là. Ah bah là, le moral. Ils sont pris en tenaille. T'as le général qui tient peut-être à peu près. Non, bah t'as plus rien. Ah, c'est dommage, on peut pas les massacrer. Ouais. Là, t'aurais fait un. Ben, beau carnage. Oh oui, voilà, un carnage. T'as perdu Il y a des quoi? survivants. Même pas un tiers de tes troupes? Aïe aïe aïe. Ça J'imagine fait mal ça. même pas en plus à quel point ton unité de garnison elle a dû prendre de l'expérience. Ah, c'est sûr. T'en as une à elle seule, elle a tué 1000 péons quoi. Puis là, il y a les renforts qui arrivent. Ça va contre-attaquer, hein. La poursuite, elle va pas être. Ouais. Les deux flottes qui coulent. Il y a ma flotte pas loin. Ouais, ça fera des Oui, c'est esclaves. vrai. C'est bien, participeront à améliorer l'économie. Exactement.